Donc en même temps que ma séance, j'utilise l'application sur smartphone. Donc comme ça, j'ai les données en direct que me donne le débardeur. Donc là, j'ai mon rythme cardiaque, mon rythme respiratoire en fait en live avec le chrono. Donc vu que je fais du fractionné, c'est pour le moment c'est les seules données qui m'importent. Donc voilà, c'est super. Après, on a aussi les calories qu'on dépense. Donc il y a les pas quand on fait de la course à pied, il y a les pas qu'on fait aussi. Donc voilà, c'est un petit outil qui est essentiel et qui est vraiment bien vu qu'au jour d'aujourd'hui on fait tout avec le smartphone. L'application voilà, pendant l'effort est vraiment simple d'usage en tout cas. Voilà l'interface de l'application. Ici c'est l'activité qu'on fait, donc là normalement ça devrait être marqué kayak, mais bon c'est aviron. Ici c'est le temps depuis le début que j'ai commencé la séance. Ici j'ai le rythme cardiaque, ici le rythme respiratoire. Là j'ai la courbe de mon rythme cardiaque en fait qui correspond donc aux 80 et après qui va faire des oscillations étant donné que je vais faire du fractionné. Ici on a le nombre de calories dépensées. Là, le nombre de pas effectués. Voilà, là, il y a une autre donnée supplémentaire. Je ne saurais trop dire à quoi elle sert. Et là, voilà, la petite diode verte qui marque que c'est bien en train d'enregistrer avec le capteur qui est dans le débardeur. Et ici, la batterie du capteur qui est aussi dans le débardeur, qui est rechargeable en USB. Je pense que c'est un débardeur qui peut être très utile, notamment par rapport au rythme respiratoire. Ça peut être vraiment intéressant de prendre des pistes, voilà, savoir comment on se comporte pendant les courses, enfin du moins en situation de course. Ce qui est bien, c'est que la ceinture, elle est intégrée au fait au débardeur et du coup, c'est pas indépendant. Donc ça peut pas tomber en fait, comme ça peut être des fois. Ça arrive que la ceinture glisse un petit peu quand on court avec les autres ceintures. Voilà, et après je pense qu'avec toutes ces données, quand elles sont bien exploitées, c'est quelque chose qui est bien plus qu'un gadget. En tout cas, ça peut être utile au quotidien pour l'entraînement. Merci et puis à la prochaine, au revoir aux lecteurs du Geek Sportif.